Au secours. Ok. Hop. Et ouais, mais le truc, c'est que je peux pas vraiment faire ça. En étant chez les VR, je peux pas être patron d'une pompe à essence. Vous voyez ce que... Oh! Pardon, excusez-moi, le micro il a fait nimpe, mais j'ai eu vraiment peur de tomber dans l'eau là. Au secours. Excusez-moi, j'ai eu trop peur. Oui, comme vous pouvez voir, je suis pompiste là. Mais oui, mais moi j'ai pas le sens de l'argent. Parce que là, genre, voilà, je lui ai donné 15 000 parce que la facture, enfin 15 000 c'est quand même what the fuck en fait. Je sais pas ce que ça donne, un truc de plombier, j'ai pas été formé moi. Hein. Donc on verra bien. Attendez, de toute façon, je vais aller au quartier et je vais raconter, je vais raconter ce que je viens d'entendre et ce qui est possible de faire en fait. Où est-ce qu'il est la maison? Voilà, et comme ça au moins, si jamais, MT me dit. Ah ouais, c'est... Je sais pas en fait, juste... Je sais pas. Oh. Hop là. Mais bon. Bah oui, mais c'est pas grave. Enfin, moi je donne juste un prix raisonnable. J'ai pas besoin de plus d'argent, vous voyez ce que je veux dire. Moi, tout ce que je voulais, c'était déjà de comprendre ce que. Enfin, de chercher un peu plus d'informations par rapport aux flics. Ce qu'ils me disaient. Vis-à-vis de. Voilà, de faire passer le truc en mode correct avec le capitaine, en mode pour qu'il puisse m'en rappeler. En quelque sorte, pour essayer de voir si j'ai pas d'autres infos. Putain de merde. Pourquoi vous dites que je suis pas assez gangster? Je suis un gangster dans la classe et dans le respect, putain. Il est... Mais les gens qui... Le respect, vous l'avez mangé quand vous êtes né ou comment ça se passe? Et c'est pour ça que vous avez un problème, hein. Vos gangs en France, vous regardez trop de merde à la télé, hein. Les gens s'insultent pas, hein. Bah alors, t'es pompier? Ah ouais, je suis pompier, mec. Ouais, très bien, et toi? Ouais, tranquille, tranquille. On s'est pas fait le petit check du matin. Eh ouais. Tranquille, Luigi. Ouais, tranquille, tranquille. Écoute, j'ai 2-3 trucs à te dire, là. Ouais, dis-moi, mec. Parce que tu sais, je t'avais dit hier... voilà, je fais un petit taf à côté. Ouais. Et là, j'étais allé parler 2-3 trucs au commissariat. J'ai 2-3 infos là. En gros, pour te dire, les bagos, du coup, ils ont été en tôle là dernièrement. Ils ont volé des voitures de flics, mais ils en cherchent encore une. Donc, en gros, je pourrais, si jamais, avoir une info sur cette voiture, essayer d'avoir un tuyau avec le flic qui m'a fait un peu visiter le commissariat pour réparer 2-3 trucs. Tu vois? Ouais, ok. La deuxième, c'est que le capitaine, il semblerait qu'il y ait des problèmes avec l'essence là. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de se faire un peu de bise par rapport à ça ou pas? Ouais, clairement, mec. Faut aller voir l'entreprise de la...
On s'appelle les pompistes. Ouais, parce que je crois qu'ils ont des problèmes au niveau de l'essence. Et le capitaine, il m'a dit que si jamais je connaissais quelqu'un, eh ben, il serait vachement intéressé. Ouais, ça peut se faire, mais clairement. Ouais, y a salut, mon Luigi. Ouais, Lily, ouais. Il y a un truc à faire. Hein. Avec quoi? Avec les pompistes. Apparemment, il y a des problèmes d'essence en ce moment. Ah, il paraît aussi que le capitaine, il chie beaucoup tout le temps, quoi. C'est lui qui bouche les chiottes du commissariat. Il se chie un peu dessus, quoi. Après, c'est le stress. Hein. Ouais, attends, je vais juste ranger le camion. Lily? Ouais. Les bagos, c'était en tôle, là? Ouais. À cause, tu sais, ce que tu m'as dit, là, les voitures de flics. Ouais. Du coup, le flic avec qui j'ai parlé, qui m'a fait un peu visiter le truc, il m'a dit, bon, il en manque une. Du coup, j'étais en mode, est-ce que c'est celle, la tienne ou ils en ont encore une autre? Non, c'est la nôtre. Ok. Ah ouais, yeah. Du coup, MT. Ouais. Les bagos se sont baladés déguisés en families dans une voiture de police peinte verte en ville. Ah bah on va les défoncer, bah ça tombe bien. Avec ils sont fait choper. Hein. Ah bah nickel. Et bah du coup, allez préparer vos plus beaux habits, vos plus beaux masques. Bah je suis prêt. On va aller braquer l'avant. La quoi Pacifique. Oh là là, non, normal mec. Avec un camion pompier habillé en wagon. Ah ouais, lui. Ah tu veux qu'on on va s'acheter des fringues, moi je m'habille pas en jaune. Oui mais je veux dire j'ai pas ça dans ma garde-robe, tu vois ce que je veux ouais, dire bah, tu... Ouais on va s'acheter des fringues. Ah oui. Vas-y. Okay, bon, vas-y on va prendre le camacho, on va faire tout. Vas-y mec. Oh putain j'ai couru. Pouah, ouais Lily. Ouais bon. Il y a peut-être pas mal, comme je disais à MT, il y a peut-être pas mal de thunes à se faire avec. What? Oh, il est jaune, mec. Ah ouais, lourd. Oh, c'est ma place. La thune à se faire avec quoi? De l'essence. Ouais. Donc je vais essayer de voir s'il y a moyen de que je chope un type ou quoi, ou même si je peux prendre... un camion, faire 2-3 trucs là pour me mettre bien avec le capitaine et essayer d'avoir des informations derrière, ça pourrait être intéressant. De ouf mec. Information, ouf. Business, ça pourrait être cool je pense. Mets-toi à fond là-dessus et ce soir il y a le unicorn qui ouvre. Ouais. T'es à côté, bah c'est là en fait à droite. Je veux qu'on y soit et qu'on s'y impose et qu'on lui impose une protection. Je vous rappelle qu'il ouvre son bar grâce à la thune qu'on lui a fait gagner. Ouais. Ou qu'il l'ouvre. Des pichons, et, là. Ah oui, et par rapport à ça, il a pas mal de trucs aussi. Il voudrait faire des échanges. Il faut que je le chope par la suite. Et là, je lui ai dit tout mettre dans un coffre. Le unicorn, ce sera chez nous. Et comme ça, on rencontrera tous ceux qu'on veut là-bas. Eh bah, d'accord. Ah, bien vu. Eh ouais, mon pote. T'habilles comment là? Bah, un truc jaune. Ouais. J'essaie de voir comment ils s'habillent. Ils ont pas trop plutôt la classe. Plutôt classe donc, en ce moment, plutôt classe. En ce moment, ils portent des petits gilets, des vestons là. Des trucs à la con en jaune là. Ils font bien les malins avec ça. Ah oui, va falloir qu'on se remette à... Si, il était tout. Faut qu'on parle comme ça. Ouais, t'as tout compris, mec. Putain. Ok. T'as prenez un sac aussi. Ouais, t'inquiète mon pote. Y'a rien de bien jaune, au secours. Y était tout. Ben voilà. Ici, después. Ah, tu t'entraînes, mec. Ouais. Luigi. Ouais, je suis là. Pourquoi t'as une grenouille qui sort de l'oreille? Pourquoi j'ai une grenouille qui sort de l'oreille? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ouais, blob. Ah ouais, c'est Luigi, c'est la mission sous l'eau, là, c'est ça? Luigi, t'es là?
Oui, je suis là, oui, je vous écoute là. Quel lourd. Ouais, tranquille. Donc vous allez vous foutre de ma gueule tous les jours, donc, c'est ça le truc? Ouais. Ok. Eh bah super. Hello friend. Putain merde. Bah tu te changes pas toi? Ah si, il faut que je m'achète un masque. C'est pas bon, c'est pas bon. Hello, friend. En vrai, c'est en train de me... Ça rend fou, hein. Vraiment, hein. Pourquoi ça me... Pourtant, je le fais, non? Tous. Eh, dis-moi quand c'est bon, là. Quand c'est bien jaune et tout, là. Parce que j'y comprends rien, là. Mec, c'est... Oui, oui. C'est dégueulasse. T'es sûr pour le haut là? Bah ça m'en fout. Au pire, tu prends un sweat mec, un blouson, une veste. D'accord. Ouais, ouais, je fais ça. Là, généralement, le jaune c'est. C'est loin, très loin. Ouais, c'est bien ça, c'est du bon jaune ça. J'aurais plutôt dit c'est caramel. Caramel. Ok M2O. Toi tu mets la main comme ça. Ah bon c'est M2T mec. M2T. Hey, y'a pas besoin de t'énerver sur le simple hein, refrain. J'avoue frère. Ouais ça l'en fout, ça l'en fout. Je te joue, ça l'en fout. C'est ça ta tenue? Là, on est bon. Le manteau jaune, c'est tout là? Bah non! Mais. Ah, mais c'est pas que t'as plus de cintre, refrain. Ah ouais, t'as plus de cintre. Mais je comprends pas! Ah, supprime un cintre! Ouais, tu jartes un cintre. Ah ouais, t'as trop de tenue. Ah bah voilà! J'ai l'impression ouais. Que quand il change vite fait comme ça, mec, il est en train de faire des faux billets, tu sais. Ouais! C'est le travail, j'ai travaillé, oh! Voilà! Ouais, nickel! Ouais. Ouais, avec la tête d'aigle en plus, nickel. Lourd. Non mais c'est pas ma vie. J'en peux plus. Hey friend. Non mais va remettre ta tenue. Ta tenue normale, on va acheter un masque mec. Sérieux là? Ouais, mais t'inquiète, tu l'as mis sur un cintre. Ouais, ouais, ouais. On va juste changer. Hello friend. Franchement, des fois, je comprends pas comment les gens m'achètent des trucs, quoi. Pourquoi ? T'as dire, mec. Mais non, mais je comprends rien. J'achète les trucs, ils me donnent... Enfin, je comprends pas. C'est peut-être le fait que je comprends pas encore la langue, en du fait, coup. En fait, c'est parce que, mec, t'achètes, d'accord ? Oui, après, oui. Après, tu vas dans tes cintres, et tu prends le cintre. Donc, du coup, en fait, tout ce que t'as acheté, mec, c'est mort. Donc, en fait, ah ouais. Si tu veux, il faut un cintre de dispo. T'achètes un truc, tu t'achètes la tenue que tu veux, tu la mets sur un cintre, et là t'es bon. Ouais, faut que tu prennes les cintres par le bas aussi. Ouais. Tu les prends par le haut, ça te fait regarder tous tes cintres et tu niques tout. Ouais, ouais, je vois le truc. Ok, ok, bon. J'essaierai de mettre moins de temps la prochaine fois. Ok, c'est cool.
Mais j'ai du mal à choisir, je savais pas trop. J'ai pris jaune caramel pour le haut, enfin je sais pas. Caramel. Petit nez en caramel. J'aime bien. Dans la banque, il va nous faire du caramel. Caramel. Aïe. Et toi, t'as fait un caramel. Caramel. Ah, faut que je passe à l'hôpital. T'as envie de te faire planter un col, c'est ça? Ah, ils vont bien. Dommage, collatéral. Donc là, je fais quoi? Je fais ce que vous voulez, hein, les gars. T'inquiète, caramel. Comment je peux sauvegarder le masque? Moutarde, du coup, j'en sais rien, les amis. J'en sais rien, j'en sais rien. Stupide. Non, oui, j'ai une tête de turc en vrai. Pense bien, du coup, à aller dans tes cintres. Ouais. Et à dégager ton cintre. Ah ouais, mais non, bah non, ouais, non, 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 parce qu'il est pas là, tout. Ah si, tu peux la prendre dans les cintres, justement. Ouais, ouais, au pire, tu la prends. Tu prennes la tenue dans les cintres. Ouais, voilà. Ça va me rendre fou! Ça va me rendre fou, putain! Non, mais j'ai pas de sac là! Puis on est mec. Ah, oh, c'est bon, juste ce qu'il faut. Ok. Come. Ah, bah, ça, hey, Luigi! Arrête un petit peu, j'essaie de me concentrer sur ce truc de merde là. Je comprends pas. Par le bas, mais de quoi par le bas? Sauvegarder l'actuel. Fais haut pour save. Tout est directement arrivé pour sur save. Ah! Ok, je crois que j'ai compris. C'est bon ou pas là? C'est bon ou pas? Ouais bah t'es jaune là. Mais putain, mais vous... Oh bordel de merde, il faut savoir. Ouais, on la mettra au dernier moment, refaire. Putain, vraiment. C'est bon. Bon, c'est bon. Putain, ça m'en fout. Tu vas passer une seule journée, Luigi. Ceinture. C'est déjà en train de me rendre fou. Déjà en train de me rendre fou. Je suis arrivé, mec. Poussez-vous. Putain. Non mais c'est... Non mais c'est... Ça rend fou. Non mais ça... Non, je vais pas le dire. Super. J'en ai ras le cul. En fait, je vais juste éteindre mon live et je vais aller jouer off stream un petit peu pour comprendre le jeu. Mais non, putain. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, en fait. J'ai pas incompréhensible. J'étais à pied. Faut qu'on passe à l'appart là, au checker. Ouais, armé. Parce que. L'armée. Le pompier est incompréhensible. Et on prend quoi, camion de pompier et quoi? Y'a que deux places dedans. Faut. Ouais. En fait, il va y avoir un mec qui va rester dans le camion de pompier, mec. Et s'il y a flic qui s'approche, on arrose. Oh ouais, loup.
Si, et, bah on fait ça, et si je prends le Camacho, je le peins en jaune. Ouais, au pire. Non ? Ouais, au pire. Après, faut voir, est-ce qu'on prend des otages ou pas ? Au pire, si on en trouve dans la rue, mec, on les ouais, prend. On les embarque. Non mais j'ai fait ça tout à l'heure, les sauvegardes actuelles, enfin ça a bugué pareil, ça me sauvegardait pas les trucs. Bon, à un certain moment, faut arrêter aussi quoi. Et vous armez aussi. Mais ça je sais faire. Mais oui, faisant comme ça, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je comprends pas. C'est bon, c'est bon. On a plus de trousse de soins, mon pote. Non, mais c'est mort. Il y en a qui rendent fous. Vous êtes fous, vous. Vous êtes fous, hein, vraiment. Hein. Vous rendez fous. Hein. Non, mais il n'y a pas de respirer. Il n'y a pas de respirer. Ouais. Allez. Non, 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 c'est pas calmez-vous, c'est vous, vous calmez-vous. Ça va, Luigi, t'as réussi ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Okay. C'est bon. Non, mais c'est bon, faut arrêter un moment. Faut arrêter un moment, genre, c'est bon. Oui, non, mais oui, c'est bon. Pas sauvegarder, pas sauvegarder. Ça, c'est pas sauvegarder, peut-être. Votre menu de merde, là. Hey, ça te va bien, ce masque-là, refrain? Bah ouais, je sais que ça me va bien. Hein. Vous allez encore ouais. Faire plein de trucs avec. Mais non, mec. Oh là. Eh oui, le camion pompier, l'eau, la pasta, les pâtes cuites. Ah, désolé, mec. Ah, pas de problème, vas-y, c'est bon, tranquille. Eh, tu vas pas bouder quand même. Mais non, je boude pas, je boude pas. Non, mais c'est juste que ça m'énerve. Mais non, mais ça m'énerve, il y a certains trucs qui m'énervent, c'est tout. Putain, c'est vrai que ce blouson de merde. Mais oui, c'est bon, c'est bon. Comme un rock, mon frère. Putain, mais je suis pas jaune, je suis sous le moutage de là. Putain, merde. Allez, Luigi. Caramel. N'oublie pas d'être mexicain. Caramel. Yeah, 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 caramel. Yeah, yeah, yeah. Itetou, caramel. Itetou deux fois. Itetou trois fois. Nickel, mec. Bah, parfait. C'est bon. Bon. Par contre, c'est quand même pas jaune. Hein. Ton masque. Au moins, ton masque est jaune, frère. Aucune idée. Il ne comprend pas. Je dois marcher vite, j'ai la flemme. Ah, bah ouais. Il est où l'autre ? Autant finalement. Tu l'as pas repas, mec. Non, du coup, je vais mettre. On peut monter. Je vais monter derrière le camion de pompiers. Ah, ouais, bien vu. Ah, vous êtes prêts, les gars? Vas-y. Et qui c'est qui se met à la. Vous avez à manger, à boire et tout? Ouais, qui c'est qui se met à la lance? Ouais, je vais manger un truc. Comme tu veux, mec. Martino, tu vas prendre la lance? Ouais, je vais prendre la lance. En gros, bah, tu resteras dans le camion tout le long. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ou alors je la prends. Si. Après ça veut dire aussi qu'ils vont tenter une négociation certainement. Qui c'est qui veut parler? Caramel. Il y a Miguel qui m'appelle. Oh,
Non, nous avions jaune. Ça va et toi? Ouais. Non, on a pas volé de Dubsta, mon pote. Non, je te le promets. Non, non, mais je te le promets. Faut que je te laisse, on a un feu à gérer là. Ah bon? Ils se sont fait voler un Dubsta jaune. Allez, mec. Oh, y'a de la place à l'arrière. Ah bah, let's go. Bah voilà. Ok. Oh, de toute façon, t'inquiète, je vais aller réparer le camion déjà. Je garde la lance. Mais non, je peux même pas le réparer, refrain. Bah non, mais c'est pas grave, garde-le comme ça. Ouais, mais faut que je fasse de l'essence, quoi. Ici. Non, il est rouge. Jaune. C'est quoi? Et moi, je vais rester dans le camion. Oh, elle est épuisée, la station, mec, y'a plus d'essence. Derrière! Oh, c'est la loose, mon pote, y'a plus d'essence nulle part. Comme quoi, je vous l'avais dit. Bah ouais, y'a un truc à faire de ouf. Oui. Faut vraiment que tu tapes ça, hein. Vraiment, faut que bah tu. Bah oui, je vais essayer de faire ça, oui. Mais juste, pourquoi tu parles comme ça? Du coup, qui c'est qui prend la lance? Je m'intrigue. Moi, je prends la lance, je reste dans le camion et je négocie. Vous remplissez les sacs. Nickel. Attendez, je vais vous filer les clés. Ouais, et quand y en a un, alors qui c'est qui va l'avoir, là? Je l'ai où? Je vais lui donner une. Je l'ai, moi. Ok, bah il faut nickel. Me la donner à moi. Bah, attends. Bah ouais, toi. Non, mais c'est arrête nickel, toi. C'est nous qui allons charger, mec. Ok. Et bah, à un moment, il y en a un, il faudra qu'il me remplisse le sac aussi. Hein. Ouais, t'inquiète, on te donne un. J'ai 55 kilos de dispo. Ok, c'est bon, j'ai les clés. Tout là, c'est bon. On se fait laquelle? J'avais pensé nord-ouest. C'est l'envie. Vas-y, là. Comme tu veux. Ouais, vas-y. Ceinture. T'aurais dû écouter, y'a MT, il a sorti la guitare, on a chanté, t'étais pas là. C'est vrai? Oh, bravo, mec. Bah oui. Il a chanté tellement bien, Luigi. Caramel. Il te tout. Il te tout dans ton caramel. Caramel, il te tout encore. Il te tout. Caramel. Ah. Ouais, faudrait que j'arrive en live full énervé. Et que je sois le pire des mafieux du serveur. Mais tu me mets bien en face. Je te mets en face de la porte. Ouais, en face de la porte. Comme ça, vous, quand vous venez me filer les sacs et tout, c'est... Non, dans l'autre sens, qu'on puisse partir vite, mec. On m'a dit en face, mec. Oui, mais face à la porte, quoi. Face à la porte. Ah, que vous puissiez sortir, fais gaffe, quand même. Avance. Ouais, je vais le ramasser un peu, c'est cool. Allez, bonne chance, attends, les mecs. Attends, je te file des clés, frère. Vas-y. Oui. Hola, buenos días. Oui, la banque, elle est par là. Oui, j'y vais. Vous m'entendez bien? Ouais, nickel, mec. Si. Hi there. C'est quoi cette merde? Lily! Arrête avec ta musique irlandaise! Ouais, donne-toi, refrain. Éloigne-toi, ça va pas tarder à péter. Ça va pas tarder à péter, putain! Hi there! Il tire sur quoi, lui? T'es un italien? Il tire peut-être sur un italien? Ah, peut-être, mec. Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas! N'approchez pas! Mauvais! T'inquiète. N'approchez pas! Filer, de okay l'autre côté okay, okay, du okay trottoir! Ceci est un braquage! Vagos! Después, fais très attention! J'ai une lance à eau! Je n'hésiterai pas à m'en servir! Parce que je suis vagos! Allez, va vérifier devant au cas où. Ouais. Qu'est-ce qu'a pisconou?
Elle est où le capitanos? Ah, ils sont là, Batos. Tranquilos, tranquilos, vagos, vagos, vagos. Palucon ou Titou? Después, qui est le négociateur? Qui est-ce qui veut faire les négociations? Tranquilo, tranquilo. Vagos, vagos. Est-ce que tu m'entends, le capitaine? Très bien. Eh ben, on peut négocier comme ça si tu veux, capitaine. Mets-le dans le camion, mec. Bien joué, El Pompier. Vagos, vagos. Cadet, allez-y. Venez me voir. On n'approche pas, vagos, vagos. Alors, on peut pas mettre le négociateur, alors? Hi there. Bah, c'est bien. Faut rester à une distance de sécurité. C'est le patron des pompiers qui m'a dit ça. Pierre, tu peux rester devant, Mike. Okay. Ouais, ouais. Je reste au niveau de la porte et nous je vais t'apporter les manettes. Tous les vas-y, vas-y. Je vais les mettre dans le camion, ok. Ok, ok. Par contre, il y a beaucoup de j'ai plus les clés. Non, tous les feux des attends, incendies. Attends, je les donne, mec. Car tous les jours, tous les cris des SOS partent dans les airs et nous, ne pouvons rien faire. Ok, bah dépêchez-vous, il y en a dans le nord, là. Il y a un feu dans le nord. Oui, on est en train de remplir la cuve. Oui. Quelles sont les autres revendications? Des tacos. On veut des tacos. Je crois que c'est tout. Oui. Et demande des tacos, demande des tacos. Ah, nous voulons des tacos. Hi there. Después, okay. On a très faim, nous voulons tacos, tacos. Vas-y, mec. Est-ce que vous avez des tacos? Montrez-nous les otages. On n'a pas d'otage, mais on est des pompiers. C'est plein. Oui, mais je vais te remplir les poches, après on va remplir les poches de... Ok, ok. Il sait pas pourquoi il parle comme ça. Je sais pas, mais... Hi there. Et dis-lui qu'il ramène des tacos. Capitaine. Et là, la voix perso, entend le refrain. C'est un accent espagnol. Capitaine. Il fout quoi le capitaine? Capitaine. Hi there. Il faut que tu dises capitanos. Oui, capitaine. Capitanos. Bien. Écoutez nos revendications, tacos vagos. Oui, dans un premier temps, mon collègue Pascalito va se mettre debout sur le camion et va faire une danse de la paix. Ok. Vas-y, Pascalito. Pourquoi c'est toujours moi qui fais des trucs de con? Fais une danse de la paix, vas-y. D'accord. Ok, danse de la paix. Et voilà. C'est moi, je peux descendre ce camion de merde? C'est bon, fini la danse de la paix. Ok, ensuite, une fois que les cuves du camion seront remplies, nous voulons nous enfuir par la route. Ok. La route est. Monter à bord du camion et s'enfuir. Ok. Et grâce à des talents de conduite hors pair, nous allons nous enfuir. Ok. Voilà. Ok. Ou sinon. T'es validé? Oui, bien de l'autre côté, quand votre camion part, on vous poursuit. Mais vous comptez jusqu'à 3. À combien? 3. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Si vous n'avez pas d'otages, vous pouvez vous attaquer maintenant. Ah, si, beaucoup d'otages dedans. Beaucoup tacos dedans. Nous sommes des pompiers héros. Ok. Oui, Miguel, oui. Ah putain, merde. Pas grave, attends. Si vous êtes vraiment des vagos ou pas. Ok. Mais les vagos arrivent aussi, donc ils vont attaquer, donc dépêchez-vous à partir. Essayez d'aller lui. Les vagos vont arriver, mais c'est nous, vagos. Ouais, on a eu leur chef, hein. Ah ouais? Les refs? Ok. Bon, nous on a bientôt terminé. Quand on a terminé, dans votre tête, il faut que ça fasse 1, 2, 3. Et vous partez. Donc vous oubliez pas, bien sûr. Oui. Et puis, très important. Ok.
Ok, bougez pas. Miguel, sors du camion, Miguel. Sors du camion. Pourquoi je peux pas. Ok, bah sors pas du camion, là, Miguel. Allez, capitaine, il faut monter dans le camion. Il faut, va falloir y aller. Miguel, on monte. Putain, merde. Vas-y, monte. C'est parti. Par contre, Vagos. Ceinture. Vagos. Ouais, ouais. Il va y avoir un problème, je pense. C'est quoi, mec? Et si nous prenons un chasse, oui, il va y avoir un problème, oui. Mais non, t'inquiète. Ah, ils arrivent. Par contre, ton accent espagnol était vraiment nul. What the... Excuse-moi. Il m'a dit qu'il y avait les Vagos qui arrivaient. Oh putain, ils sont derrière encore ou pas? Ah oui, ouais. Oui, oui. Oh merde. On lui tente le coup du Baba Yaga? Arrose les pattes. Je peux pas conduire à arroser en même temps. C'est un peu compliqué. Mais... Aïe. Dégage. Le fou, il est pompier de la Vega. Dégage. Putain de merde. Dégage. Arrête, Miguel, arrête. Mais j'arrête quoi? On a plus d'essence. Ah mais c'est bien ça. Ah ouais, ça tombe pas. C'est très très bien. Très 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 bien. Aïe. Arrête. Attends, t'as des manettes ou pas? Moi? Oui, non. Oui. J'ai dit. Ok, alors dans ce cas-là, faut que toi tu fasses un... Dégage. De quoi? Faut que toi... Attends, écoute. Ouais. Vu que t'as pas de manette, il faut que nous on sécurise le camion et Marcelo et moi. Ok. Donc je m'offre à eux en fait. Ah mec, si on a plus d'essence, ça va être compliqué. Ah, il reste deux bas. Qu'est-ce que... Non, ils sont plus derrière. Non, ils ont fait un carambolage. Au pire, je descends, ils me cachent. Vous les descendez? Vous les descendez? Oh, t'as il est flic, il est flic. Vagos! What? What? Oh. C'est toi? Fais pas ça! Hein. Yeah, yeah. Ok. Tranquille. Mais attends, mais comment ça? Mais je sais que c'est des vrais Vagos, je suis pas con. Mais attends, pourquoi ils tirent comme ça? J'ai pas compris. Hey Speedy. Qu'est-ce que c'est? Ok. Personne ne t'intéresse. Merde ça. Et bon, zone évacuée. Tous! Oui, je suis mute parce que je fais des trucs à côté en fait. Timo. Non mais c'est bien, on donne du contenu au jaune, c'est cool. Ah, let's go en fait. Je sais pas s'ils étaient trois, ils étaient peut-être trois, mais... Ils ont peut-être pris le troisième otage. Hein. Allez, salut garçon. Allez, la chérie, ah, putain, écho. Pourquoi vous êtes fait un faillite? Oui, j'ai entendu, mais je l'ai dit. Je comprends pas. Nous avons deux personnes au sol tirées par balle.
blessés. Et vous devez les amener à l'hôpital pour les aider. Red. Vas-y, poussez-vous. En vrai, c'est pas ma faute si mes potes comprennent pas ce que je leur dis non plus. Votre attention, s'il vous plaît, on se prend une bonne avance. Non, mais y a pas de problème. C'est juste que, bon. Un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Au pire, ils font qu'un gang, quoi, tu vois. Et comme ça, on arrête de faire les cons de notre côté. Enfin, voilà. Il y a ça aussi. Mais bon, tranquille. Et comment on peut refaire les cases de base? Mais c'est fait exprès! Allô, les cerveaux déconnectés de la Terre! Bonsoir, bonsoir. Allô, est-ce que... Allô? Allô? Allô les cerveaux, les cerveaux décédés. Merci officier, je vais m'en occuper. Je vous laisse, voilà, allez-y. Merci officier Panis, vous êtes un amour. Voilà, ah bah, c'est merci, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé à vous monsieur? Eh, vous savez un peu comment on joue aux jeux vidéo ou pas? Comment vous m'entendez, si vous m'entendez, dites tout. Bien sûr. Ah bah éloignez-vous sinon je vais vous réanimer. D'accord. Et... Bah alors c'est fou, on dirait qu'il est mort par noyade celui-là. Mais comment ça se fait, il a bu l'eau? 2, 3, 4, bah peut-être qu'il est dans la citerne du camion pompier, hein, que c'est... je sais pas. Ah. Alors, monsieur. Ah bah écoutez, il a pas l'air de revenir à moi. Où est-ce qu'il se serait noyé? Bon bah j'ai un code rouge là, hein, officier. Officier Panis? J'ai un code rouge, celui-là il se relève pas. Et j'ai l'impression que... Ouais non, il se relève pas. On va le déplacer là avec moi. Voilà, je pense que le fait qu'il soit sur le camion c'est un problème. Hein. Ok, il faut revenir à moi, monsieur. Hein. Ah, celui-là, dis-toi, il s'est fait tirer dessus maintenant. Ben là c'est bon, hein? Tous les petits poussins qu'on va voir en ville là, c'est terminé. Le poussin, boum, le nugget, il veut manger le nugget. Ils ont voulu tirer, on va manger le nugget. What the heck?
Mais c'est... Mais non, mais c'est vous. Oh non. Mais non, mais c'est vous, putain. Alors, on va s'occuper de tout. En vrai, s'il m'oublie... Et le troisième. Non, mais dites rien. Mais non. Ah oui, lance. Ah ouais, pitié. Ok, refais la crêpe, c'est mort. Ok, bon, comment on fait oh putain, quoi. Il faudrait que je retourne le camion. Allez, hop. Ah ouais, tranquille. Tranquille, on va... Oh putain, je vais tenter un truc de fou. On va les dire. Oh putain, mon cerveau. J'avais écrasé le... Non, c'est bon. Ah bah dis donc, encore un bonhomme en jaune. Encore mais, mais du coup, je reconnais ce petit tatouage. Tu bluffes, Martoli, tu bluffes. Où c'est vous? Sinon, je vais encore... Je vais encore vous faire un massage cardiaque, mon désiré. Allez, c'est parti, on y va. 1... 2, 3, va falloir qu'on parle, d'accord. 5, allez. Va falloir qu'on parle, allez. Vous, Logan et moi. Allez. Oui. Doucement. Oh, on m'appelle. Vous êtes une salope. Ça va, monsieur? Comment vous vous sentez? Ah, c'est votre fils d'autre qui t'a appelé. Je sais pas. Ah, mais Marcello. Que dirait la maman? Pourquoi vous faites ça? Non, non, bah là, non, vous n'avez pas été, on va régler ça. On va régler ça. Non, on va le faire fondre. Non, 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 là, vaut mieux pas qu'elle sache. On va régler ça, ok? Mais enfin, je croyais qu'on était amis et puis vous me volez un camion pompier. On va faire une réunion, père. Ok? On va faire une réunion. Oui, mais vous savez, le travail, le travail. Le travail, bah oui, bah enlevez-moi cette face de victime, s'il vous plaît, que je regarde si vous avez des convulsions. D'accord. Pas de geste brusque, pas de geste oui, brusque. Oui, pas de problème. Je l'enlève. Voilà. C'est bon, capitaine, c'est bon. Et pas de... Voilà. Okay. Bah, vous avez l'air d'avoir particulièrement bien pris l'accident. J'ai un petit peu mal à la tête, mais tout va bien, oui, toi. Oui, bah vous mangerez un petit peu en prison et ça ira mieux. Allez. Bonne journée, bon Marcello. Prenez soin de vous. Oui, merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est elle qui m'a pompé. Laissez votre bras. Quoi? Laissez vos bras. Je vais prendre vos bras. Ah, oh, vous bah, nickel pour tout, bah, passez une bonne journée, monsieur dame. Un petit. Bref, dès là. Il est où le cadet? Je vais lui demander, je peux pas lui aller. Tous Michael. Eh, mais attendez. Et pourquoi on est habillé en jaune? Oh, t'es... Toi, t'es habillé en caramel. Ok, le... Vous foutez quoi, là? Non, attendez. Oui, d'accord, ok. On a combien de voitures? Ils sont les voitures. Là, il est là-bas. Ouais, c'est bon, ça va réussir. Il faut qu'on ramène le... Je vais la chercher. Chacun prend une voiture et il y a quelqu'un qui prend le camion de pompier. Ah bah, je vais le reprendre, c'est mon camion. Non, c'est bon, ça va. Capitaine, aller, bah, c'est passé quoi? Venez, vous allez voter avec le capitaine. Oh non, attends, le camion. Il pue de la gueule celui-là en plus. Attends, mais... Oui. Allez, vous êtes qui? Votre respiration quand vous rentrez. Mais c'est moi, putain. Mais t'es qui? C'est Lily. Allez, monsieur, venez, vous rentrez de l'autre côté. Mais je comprends pas ce qui se passe. C'est qui le plus sage? Eh bah allez, montez devant, je sage. Je monte devant! Voilà. Let's go! Ah là, bah sortez de devant du coup. Non, c'est bon, c'est bon, pas grave. C'est bon, ça passe. Ouais. Okay. Allez, ceinture caramel! C'est vos ceintures. Mais il se passe quoi? Je comprends rien. Vous allez ramener notre camion à la maison? Oui, à la maison de l'hôpital, oui. Ah ouais? Ouais! Eh, je la connais cette voiture, on me dit un truc. Non, c'était pas celle-là. Si. La même plaque, mec. Encore. Ah ouais? Il y en a une autre. Je la veux. Je l'achète, non mais vous avez... 100 000. Non mais vous avez déjà une voiture à nous. Eh, vous ne pouvez pas sortir des Buffalo un peu? Parce que moi j'aime pas les inter. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Bah, y'a qu'à dès qu'ils les sortent. Ok. La merde, l'intercepteur, frère. La Buffalo, c'est mieux. Buffalo. Bon. Messieurs, va falloir régler ce souci-là. Bah écoute, visiblement, y a des gens qui veulent nous tuer, donc si tu peux nous mettre 20 ans en prison... Oui, mais c'est ça, j'ai envie de régler ça, donc je vais essayer d'avoir... Écoutez, c'est pas pour être méchant, mais je fais quoi ici? Je comprends rien, vous êtes qui en fait? Non, vous putain, êtes sérieux quoi? Non mais non, on a braqué la banque. Mais j'ai rien braqué du tout. T'as éteint un feu dans une banque, mais en fait y avait pas de feu. Ouais, c'est ça.
Mais je viens d'arriver à un avion, moi. Je comprends pas ce que vous, qui vous êtes, non. En fait. Oh putain, non, pas ça. Non. Donnez-moi un flingue, je le liquide tout de suite, non. Oh. Le seul truc que je me souviens, c'est caramel. Non. Allez, sortez. Ça, officier, Panis, votre boulot, c'est de trouver l'ennemi, de le prendre, et on va parler avec... Prenez l'ennemi, mais pourquoi il t'a appelé pénis? Et pourquoi rappelé... Je comprends toujours. Pourquoi vous êtes bien jeune? Ouais, pourquoi il y a un hibou? On avance, monsieur. Parce que... On avance. Allez, venez. Allez, mettez-vous contre le mur. Franchement, c'est lequel qui a le meilleur look? Lequel qui a le meilleur look, capitaine? Mettez-vous contre le mur. Ouais, bon, d'accord. Mais bon, c'est ma place. On prend chacun. Oui. Séparez-vous. Il faut prendre. Et à droite avec moi. Le téléphone. Attendez, mais vous me dites quelque chose, monsieur. Oui, mon père. Vous fouillez. Oh, fouille-moi, Boyd. Bien et vous? Alors, c'est quoi ça? Écoutez, je sais pas ce qui se passe en fait. Il y a trois personnes qui vont devez gérer, ok? Alors. Mais attendez, mais c'est une bière sans alcool. Ça me dit quelque chose. Mais je comprends pas, mais il se passe quoi en fait? Vous prenez le Uzi, mais après les 9 mm, on a pas tiré de coup de feu, monsieur. Hop, on a pas vu usage des armes. Et ces mallettes, c'est quoi? Je la garde pour l'instant. Et bah, je sais pas. Bon, écoutez, je vais les prendre avec 156 chargeurs de batte de baseball là. Bah, si j'aime bien lancer les balles. Je sais pas, ils aiment bien ça. Ouais, on joue au baseball. J'aime bien lancer la balle. On joue souvent au baseball, ouais. C'est bon, c'est fouillé. Putain, j'ai plus de place pour les manettes. Ok, je vois. J'ai pris son téléphone et ses armes. Ouais. Mais t'es qui toi? Oh non, okay. non pas ça. Non, Marcello, c'est moi, c'est Lily. Vous pouvez vous parler Lily. Et vous raconter toute l'histoire dans la cellule, vous inquiétez pas. On peut être ensemble à trois? Oui. Vous rappelez rien, monsieur Marcello? Caramel. Monsieur Marcello? Ça va lui revenir. Je pense qu'il doit avoir de l'eau dans le cerveau. Il faut lui faire une oséchotectomie. Ok. Et prenez les pistolets et tout. Hein. Mais j'ai pas tiré. On a le droit d'avoir oui. des... Vous avez votre PPA? Oui, votre PPA. Oui. Ah oui? Excusez-moi. Hein? Excusez-moi. Quoi? C'est qui Marcello? Pourquoi? Marcello. Okay, okay. Oui, c'est qui? J'en sais rien, moi. Ok, parce que moi non plus. Mais pas mon point d'arrêt, pourtant. J'ai planté personne. Je prends tout. Tiens, on va jouer avec les autres. On s'en est bien. Bon. Ah oui, explique lui s'il se souvient pas, c'est qu'il a peut-être aussi de. Qu'est-ce qu'il y a avec Marcello? Ok, là, il a quand même 52 mallettes d'argent. Qu'est-ce que vous foutez avec ça, là? Prenez tout. Bah, il fallait bien qu'on puisse vous parler, Marcello. On a braqué la banque. La flic à banque. Ah bon? Luigi Lily MT. Tu t'appelles Luigi? Attends, mais pourquoi Mais je vous connais pas en fait. Mais si, c'est moi, c'est Lily. Si, on se connaît, mon pote. On fait déjà plein. On se connaît. Bon, ça te reviendra. Tu veux faire le mec qui se souvient pas? Bah, souviens-toi pas, ça fait plaisir. Mais vous dites n'importe quoi? Non. Il se souvient de rien. Il se souvient de rien. Je vais déposer les manettes. Attends, tu te souviens plus que tu t'es marié avec Lily? Mais c'est qui Lily? Lily, c'est trop de peine. Mais je me marie pas avec lui. Ah bah si mec, tu t'es marié. Non, j'aime pas les roues. Regarde, t'as la bague au bord du bras. Capitaine, c'est ma poche. Je suis abattu. Je suis abattu. Je comprends rien. Pourquoi t'auras pas de caramel? Non, il aura pas de caramel. Mais c'est qui caramel? Oh, ça résonne dans ma tête, je comprends pas. Il rend fou. Ah mais mes chargeurs, ouais, ça va mec, mes chargeurs. Va bien se passer monsieur Logan. Ah, j'ai bien fait de pas prendre mon RPG. Bah oui, bah là on aurait eu du mal nous. Oh non, ça aurait été plus pratique pour les vagos. Alors. C'est à comprendre. Venez monsieur Logan. Ouais, je te suis mec. On va voir votre argent. Mais bon, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Vous êtes au commissariat du LSPD. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre nom monsieur? Caramel, peut-être? Caramel. Je sais pas. Je n'ai pas de caramel en ville. Jamais entendu parler.
Eh ben, je sais pas. Caramel. Je viens d'arriver, un avion, je sais pas. D'accord, très bien, caramel. Caramel, oui. Caramel. Ouais, il a peut-être pris un petit choc, il a fait un reset mental, ça va aller. Mais où c'est qui, c'est Marshmallow ? Mais ferme ta gueule, putain, j'ai une tête de Marshmallow ! Ah, je sais pas. Putain, c'est Lily, l'Irlandais, Liamdon, putain, pas Marshmallow, mais il est malade, il est fou ! Vous pouvez le mettre vous-même dans votre garage et le ressortir et c'est bon. Il est fou, Marshmallow ! Okay. Maintenant on va l'échanger. Et pourquoi tu dis Marshmallow, toi ? Ah, parce qu'il a cru que je m'appelais Marshmallow. Ok, pour l'instant, il y a une guerre de gang qui peut se produire, donc il faut vraiment avoir l'autre. Ça me dit un truc. Malade ! Guerre de gang. Il y a qu'un gang dans cette ville. Ah oui, c'est laquelle ? Il y a un gang et des petites putes. Voilà. Il a venez, tombé. Allez, venez. Ah bah, je suis venu. On fait quoi, là ? C'est qu'à votre tour. Là, on est en prison, Luigi. Luigi ? C'est qui, Luigi ? C'est toi, Luigi ? Ouais, bah à un moment, faut comprendre que si ça fait 10 fois que je t'appelle Luigi, c'est toi Luigi, mon pote. Bah, j'en sais rien, moi. Luigi, vous êtes pas... mais vous êtes pas le plombier, monsieur ? Le plombier ? Bah, j'ai eu un plombier qui s'appelait Luigi tout à l'heure. Mais j'en sais rien, moi. Il y a plusieurs Luigi en ville, alors. Putain, mais je comprends rien, je comprends rien. Aide-moi un petit peu, là. C'est quoi, on traîne ensemble ? C'est quoi l'histoire ? Pourquoi je suis arrêté, en fait ? Je comprends pas. Tu me fatigues. Vraiment, tu me fatigues. On va faire celui-là. Je connais ces mecs, moi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Caramel ? Je sais pas, je comprends pas. Vous appelez Luigi. Mais j'en sais rien, moi, pourquoi on m'appelle Luigi ? On est bien à Los Santos. On est bien à Los Santos. On est bien mardi. Oui. Bien sûr. Eh bah d'accord, bah j'en sais rien alors. En cellule, monsieur, s'il vous plaît. De quoi, t'as dit quoi ? Venez par ici, monsieur, s'il vous plaît. Ah, pas de soucis, je te suis. Laquelle ? Gauche, droite, milieu ? Eh, toi là. Voilà. C'est un ordre, vous descendez. Vous allez. Ouais, je vous montre. Est-ce que vous bien me suivre, monsieur, s'il vous plaît ? Caramel, c'est le mec en casquette voilà. Ou. Okay. Je vais les changer, Jean. Ça marche. Non, okay. Okay. Voilà. Ok. Jean, vous occupez du PPR en attendant. Du révérend. Allez-y. On occupe. Je comprends rien. Si vous arrivez, monsieur, retournez-vous. Mais non, mais je comprends rien. Vous vous appelez comment ? Mais je sais pas, il m'appelle pas plein de noms, je sais pas qui je suis. Non mais pas vraiment. Oh là là. Là vous savez plus qui vous êtes. J'en sais rien. D'accord. Je vais vous expliquer, vous appelez bah tenez, ça va être simple. Vous vous démenotez. Allez-y. Là, je vais être sûr que tout est bon. Ok. Là vous avez beaucoup d'argent, venez d'abord, venez avec moi. Je vous suis. Eh ! C'est toi, Caramel ? Ah, c'est toi, Caramel, mec. Ok, venez. Ok. Non, vous ne faites pas encore descendre. Donnez-le, lui la patte, juste quelques minutes. Allez-y, mettez-vous là. Bien sûr. Regardez tous vos billets. Ok, tout est bon. Allez, venez. Je vous souhaite. Edouard, vous changez, on va vous mettre en cellule. Pour vous expliquer d'accord. Clairement pour ce qui vient de se passer, vous étiez avec vos deux collègues, donc que vous ne rappelez plus, mais au moins je vous explique. Ok. Vous avez cambriolé une flica. Une flica ? Ouais, une prison. Une banque, pardon. Une banque. Ok. Donc vous étiez en train de prendre toutes les manettes, c'est ce qu'on a retrouvé sur vous. D'accord. Je sais pas, moi j'ai pas pu voir, mais si vous avez trouvé des... Oui. Là vous pouvez vous changer derrière moi. D'accord. Regardez, ici vous essayez de parler avec les gens qui sont dans la cellule, s'il vous plaît. Essayez de voir des informations. Allez-y. C'est en cours. Pas de soucis. Mais quel blouson de merde. Je laisse pour l'SPD. Oui, on aurait besoin de vous, il y a quelqu'un qui a une perte de mémoire. C'est bon, je suis là.
Vous pouvez vous mettre là. Quoi, pourquoi est-ce que donc vous savez pas pourquoi est-ce que les vagos vous ont attaqué quoi? Mais il y a moyen de la mettre avec nous mec. Ah oui, OK, allez-y, allez-y. Venez, venez, venez ici. De quoi, t'as dit quoi mec? J'ai pas entendu. Pas la question. J'ai pas entendu la question. Au commissariat. Tu rentres avec eux? Oui. Ouais. Ah ouais. Luigi, comment est-ce que tu es? Du coup, c'était quoi ta question? Luigi, c'était pas le premier de tout à l'heure? Ah oui, c'est lui. Ah ok, ok. Du coup, c'est pas pourquoi les vagos vous ont tiré dessus quoi? C'est qui les vagos? Parce qu'ils ont pas du. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah ok, donc lui, il sait pas du tout. Ok. Il a pas un petit problème de mémoire, votre pote là? Je pense qu'il faut lui mettre un petit coup sur la tête là, il y a un truc qui est pas connecté. Ouais, vous l'appelez Poisson? Oui. Attends, mais quoi? Ah, vous connaissez la blague du poisson rouge ou pas d'ailleurs? Non. En fait, en gros, si vous voulez, les poissons rouges ils ont que 3 secondes de mémoire. Je comprends rien. Regardez, ça fait des trucs en Attendez, je vais. Attendez. Oh putain, merde. Waouh, mais c'est génial! Oh ici. Putain. Attends, mais je. Waouh, mais c'est génial ici! Ah ouais, mais t'as un truc en blague. Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! Enfin bref, vous avez compris quoi. Ah ouais, putain, j'ai cru que t'allais me faire ça pendant 10 minutes. Mais il fait quoi lui? T'es pas bien. Quoi, c'était drôle ou pas quand même? Ouais, bah ouais, je la connaissais. Ouais. Ah ok, ok. Ouais, mais dans le coup d'après, je la connaissais. Ok. Ah, elle est bien, hein. Ok. Et du coup. Très bien, donc du coup, c'est un peu un poisson rouge votre pote. Ouais, je sais pas, ouais, il peut peut-être avoir un truc sur la tête, je crois. Est-ce que j'ai une tête de poisson rouge peut-être? Waouh, mais c'est génial ici! Ah, mais il est de retour! Mais de quoi vous parlez? Mais c'est qui Marcello? Marcello! Et comment vous appelez vous monsieur? Mais j'en sais rien moi. Ah, d'accord. Caramel, je crois. C'est Caramel? C'est moi Caramel? Caramel rouge, c'est ça? Ok. Très bien. Bah écoutez. Enfin, donc en fait, vous savez rien quoi. Vous avez attaqué le truc, mais vous savez pas pourquoi est-ce que. On pense qu'en fait ils ont attaqué parce que ton capitaine a appelé la mauvaise personne. Ok. Il a appelé qui? Vous savez pas? Ah bah, mon avis, du coup, les vagos. Il a dit oui. Ils sont déguisés en vous, qui font une banque. Venez les enculer. Vu la somme que vous me payez tous les jours. Je comprends pas ce qui se passe. Bah, on t'expliquera. Ouais. Je sais pas, vous savez, votre capitaine, on l'a déjà vu dans des sales bails. Hein. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. On l'a déjà vu tirer la patte des vagos. Tout nu avec le chef des vagos. Est-ce que tu peux sortir celui qui se souvient plus de rien, s'il te plaît? Ok. Monsieur qui se souvient plus là. Caramel, oui. Oui, c'est vous. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? On vous l'apporte, C'est Caramel, loco. Caramel. Ouais, c'est ça. C'est Caramel, venez. Oui. C'est Caramel. Voilà. Bah, c'est comme ça qu'il dit qu'il s'appelle, mais il se souvient rien du tout. Il se souvient plus de son nom. Plus rien. Est-ce que vous pouvez diagnostiquer quelque chose? Bah, et oui. L'espère, vous êtes allez-y, expert. Allez-y, allez-y, tout au bout. On va dans la salle. C'est là-bas qu'il faut aller. La salle au fond. Qui souhaiterait parler avec le. Et vous les laissez parler. Je suis la rousse, c'est ça? Ouais, enfin, celle, non. C'est la salle tout au fond. Ouais, deux secondes. Voilà. Non, mais j'arrive. Elle est pas mal. Vous vous mettez au fond. Officier Jean, s'il vous plaît, venez. Vous allez au fond et vous parlez très doucement. Tout au fond. Là, au fond là-bas. Ici, venez. Pardon. Vous les mettez ici et vous parlez très doucement. D'accord. Vous attendez à l'extérieur, vous entendez rien et vous attendez qu'il finisse, voilà, d'accord. Alors, attendez parce que je regarde. Vous êtes très séduisante. Ah bah ça me touche beaucoup. Pardon, je voulais pas vous. Non mais il y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Ah mais j'avais envie de vous le dire, y a pas de problème, ça illumine ma journée, vous voyez. Eh bah ça me fait super plaisir. Ok. Je vous entends pas. Pardon, vous vous souvenez plus de qui vous êtes, c'est ça? Bah en fait, je comprends pas, tout le monde m'appelle par un nom, mais du coup, je suis un peu... Ok. Est-ce que si je vous parle d'huile d'olive, est-ce que ça évoque quelque chose? L'huile d'olive, bah ça oui, je connais. Vous connaissez l'huile d'olive? Ah oui, on la met sur la pizza, sur la salade, sur les moteurs de voiture, enfin je sais pas, sur... Ouais. Sur les... J'en sais rien, moi. L'huile d'olive sur la pizza, on va aller dans cette direction. Vous savez d'où vous venez, monsieur?
Bah je suis descendu d'avion. D'un avion. À Los Santos. À Los Santos. Donc vous vous souvenez de votre arrivée à Los Santos? Je me souviens de mon arrivée. Après de quoi vous vous souvenez? C'est quoi votre souvenir le plus récent? Des sirènes. Des sirènes? Ouais, des sirènes. Vous vous souvenez être arrivé à Los Santos, puis avoir entendu des sirènes. Et le seul truc que j'entendais, qui résonnait un petit peu dans ma tête et qui m'a un peu... voilà, c'était caramel. Caramel. D'accord. Caramel, caramel. Oui, j'ai pas Est-ce compris. Que vous pensez que c'est comme ça que votre maman vous appelait, peut-être? Vous vous souvenez de votre maman? La maman? La mama. Je sais pas. Je sais vous pas. Vous vous souvenez pas de votre mama? J'arrive pas trop... Je sais pas. Je pense que j'ai une mama, mais je sais pas. D'accord. Est-ce que vous savez d'où vous veniez depuis cet avion? Non, j'arrive pas. C'est pas grave, d'accord. Je vais vous donner un petit calmant. J'arrive pas, ça m'énerve. Mais il y a pas de problème. Je vais vous donner un petit calmant, et puis vous allez tranquillement vous laisser porter, et vous allez essayer de vous rappeler des souvenirs heureux de votre enfance. Je vous le mets dans la cuisse parce qu'après sinon ça va vous faire mal dans le bras. Voilà. L'avion, les sirènes, caramel. La jolie rousse, le flic qui fait le poisson rouge. Il y a un flic qui fait un poisson qui fait le poisson rouge. Oui, j'ai pas compris. Il y a un mec qui a voulu faire une blague là, il faisait le poisson rouge, il revenait à la cellule, il faisait Ah, c'est beau, il revenait tout le temps. D'accord. Il avait l'air un peu con, je dois vous avouer, mais tranquille. D'accord. Donc là. D'accord. Les deux mecs qui sont avec moi, c'est des copains. Et nous, on se connaît ? Nous, on se connaît, oui, on se connaît. Est-ce qu'on je m'appelle est... Vanessa Martoni. On est. Vous savez, on est. Comment dire? On se connaît ou on se connaît? Oh non, on se connaît de loin, Marcello. Ah d'accord. Non, vous inquiétez pas, sinon je serais bien plus éploré que ça. Hein. Non mais je demande, on sait jamais, peut-être on sait pas. Non, mais ça me flatte beaucoup, c'est très gentil. Non mais ouais. Et du coup, le mec avec la casquette et le roux dégoûtant, là, c'est des bottes à moi, du coup. Mais vous pouvez choisir que ce ne sont pas vos amis. Vous savez, vous avez toujours votre destin en main, Marcello. Non, mais tranquille. J'essaie juste de me souvenir un petit peu ce qui se passe. Il y avait ces gyrophares, ce caramel, et je sais pas. J'étais habillé comme un con. Ce que je me souviens quand je suis venu au poste. Oui, ça c'est normal, vous étiez habillé comme un con. Vous étiez déguisé... Oui, comme un nougat, j'ai pas compris, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est cette merde, pourquoi on était... J'étais en soirée, il s'est passé quoi? C'était une soirée costumée? C'est pas une soirée costumée, Marcello. Marcello, vous faites partie d'un gang. Un gang? Oui, quoi, un c'est... gang. Un groupe? C'est un groupe de gens qui font des activités criminelles, comme braquer des banques, ou tuer des gens. Ou tuer des gens du gang adverse, par exemple. Oh putain, merde. Ou voler des camions de pompiers, vous vous souvenez d'avoir volé un camion de pompiers, Marcello? Ah, c'est peut-être ça, la sirène, alors. Je pense que c'est ça, la sirène, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre du camion de pompier, Marcello? De l'eau? Non, dans le coffre, pas dans la citerne. Je sais pas ce qu'il y a, moi, dans le coffre de du camion de pompier. Ok, pas grave, mais vous avez l'air d'être très catégorique. Vous avez l'air de savoir que vous ne savez pas, ça c'est important. C'est un bon retour vers la mémoire. Donc en gros, les deux, c'est mes potes. Moi, je vous connais. Vous m'avez vu quand? Je vous ai vu à votre arrivée. C'est moi qui suis venu vous chercher à l'aéroport. Ok. D'accord. Donc on s'est vu à l'aéroport. Ouais. Les deux, c'est mes potes. Mmh. Je tue et je vole des gens. Vous volez surtout. Je sais pas si vous tuez. Et là, vous aviez un plan. C'était vous déguiser en Vagos. Je vois. Pour que les Vagos se fassent accuser du vol des ambulances et des camions de pompiers au LSMS. Oh putain, mais ma mère serait déçue de moi. Oh mon dieu. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai trouvé. Je vous ai dit que votre maman serait déçue. Oh putain, merde. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai réanimé? C'est moi qui vous ai réanimé après l'accident. Peut-être. Je commence à me souvenir vaguement de quelques trucs. D'accord. Et ça vous dit quelque chose, les Vagos? Si je vous dis Vagos, est-ce que ça vous énerve? Vagos? Je sais pas.
C'est eux qui s'habillent en jaune? Oui, c'est eux qui sont habillés en jaune. Ou c'est moi qui... Je suis Vagos? Non, vous êtes Familiz. Vous, vous êtes habillé en vert. Vous avez vu, vous avez même teint vos poils de torse en vert. Vous vous souvenez, vous êtes fait teindre les poils de torse? Oh putain, qu'est-ce que c'est cette merde? Attendez, attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Bah oui. Oh, j'en suis désolé. Attendez, attendez, je m'arrête. Ça doit être un problème. Ben voilà. Du coup, vous êtes ça c'est votre identité, vous êtes Familiz. Et puis vous Familiz. Vous dealez de la drogue. Oui. Vraiment? Oui. Bah écoutez, vous tirez de la drogue, vous vous cherchez à revendre des bijoux, des montres, des diamants. OK. Et puis vous c'est vraiment moi là que vous êtes en train de décrire? Oui, surtout vous essayez de vous débarrasser de vos ennemis jurés, les Vagos. Les tacos, d'accord. Les Vagos, les Vagos. Les tacos, c'est un peu raciste, du coup. Faites attention. Voilà. Oh, bon, y a qu'on pas vous de... accuse pas de racisme. Non, non, la maman m'a bien élevé, non. Mais non. Oui, la maman elle vous a bien élevé. Non, 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 non. Comment vous vous sentez, Marcello? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent? Écoutez, ça revient un petit peu par-ci, par-là, okay. Mais ça va un peu mieux au niveau de la tête. Ça va d'accord. Mieux. Il va bon, falloir un petit peu de temps, mais je pense que ça va aller. Je pense aussi que le temps fera les choses. Je vais appeler le capitaine, je vais lui dire que vous avez besoin d'un peu de temps et peut-être d'un peu de solitude pour pouvoir vous plonger dans vos souvenirs. Et puis vous allez retrouver tout ça, d'accord, Marcello? Oui, je comprends. Merci bon, en tout cas. Vous êtes un gars bien, Marcello. Vanessa, c'est ça, Vanessa. Vanessa Martoni. D'accord. Eh ben merci beaucoup, Vanessa. Pas de souci. Bon, capitaine, c'est bon ici. Il a besoin d'un petit peu de temps, mais ça commence à revenir. Ça va, chat ou quoi? Bonjour monsieur. Oui capitaine. Vous rappelez bonjour. Ou pas? Écoutez, il y a des petits trucs qui reviennent, je dois vous avouer. Bah parfait, bah venez là. Je vous suis. Les deux là, vous leur posez des questions, ils ont tiré sur les gens, on va devoir les amener en prison. Donc vous allez devoir leur dire ça, et les menotter et les fouiller. Allez, on rentre.
Yep. Ok. Ouais, du coup, désolé, okay. Mais pour le moment, je sais pas trop où je suis. Attends, avec nous, là. Salut. Ouais. Non, mais tu fous de ma gueule, on vient d'en sortir, là. Vous posez quoi comme question? Vous savez déjà tout. Et pourquoi faire? Gérer avec les pieds, ce commissariat. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, dis-moi, mec. Est-ce que je suis dans un groupe de families? Ouais. Un de mes bras droits, en fait. Le docteur, il m'a parlé un peu de ça. Il a dit que on était bien jaune parce qu'il y a un clan qui s'appelle Las Vagos ou je sais pas quoi. Ouais. Et que nous, en fait, on était habillés comme eux et qu'on s'est fait arrêter, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. J'arrive pas trop à... Et c'était tout à l'heure, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quoi? Il y a 30 minutes. Il y avait des sirènes? Ouais. Parce que je me souviens de sirène et je me souviens de caramel, mais je comprends pas. Ah, caramel, c'était ton blaze pour l'opération. Ok, je vois. Et on se connaît depuis longtemps? Ah bah ouais, quand même, mec. Ouais, t'as déjà dû travailler avec Lily. Ah, je comprends pas. Lily, c'est le roux, là? Ouais, c'est ça, mec. Ok. Je pense qu'il me faudra juste un tout petit peu de temps pour... Mais je sais pas, je me vois arriver, je me vois faire des trucs, mais j'arrive pas encore à avoir les images. Et t'as dit quoi le médecin? Elle m'a dit qu'il me fallait un petit peu de temps. Voilà, mais qu'il y avait des trucs qui faisaient effet, donc je sais pas. Elle m'a parlé de certains trucs. Elle m'a parlé de certains trucs, j'étais peut-être... Comme ce truc, bah, si j'entends une sirène, elle m'a parlé d'un camion de pompiers renversé, enfin, je sais pas trop, la police peut-être. Et elle a dit que je tuais des gens, que je tirais sur des gens, je volais des choses. Et alors, ça semble bizarre pour toi? Je sais pas. Je sais pas. Alors, faut laisser le temps, ça. Ouais. T'as l'air perdu. Un petit peu. C'est mon nom, j'essaie de me rappeler. Ça dit quelque chose, Yetetou. Yetetou? Ouais. Yetetou. C'est quoi ça, c'est de l'espagnol? Ouais, c'est ça, mec. Du mexicain, je sais pas. Le mexicain, il parle pas espagnol? J'en sais rien, mon frère. Yetetou. On dit 10 fois d'affilée, tu verras, ça va te revenir. Il était tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une orgie ou quoi? Merci, Sylvain. Suivant! Alors, ils vont te poser des questions, moi j'ai dit la vérité, du coup, c'est de dire la même personne. Oh shit! Vite fait, bien fait. Wow! Et du coup, toi, c'est Lily, c'est ça? Lily? Oui, moi, c'est Lily. Oui, Lily. Liam, c'est ça. On se connaît depuis 15 ans, Luigi. On s'est rencontrés en prison, dans ta putain d'Italie. Tu m'as sauvé la vie, parce qu'un mec voulait que je ramasse une savonnette, et toi, t'es arrivé, t'as fait... Attends, tu parles trop vite, je comprends pas. Donc, je te connais depuis 15 ans, c'est ça que t'es en train de dire? C'est ça, on était en prison. Toi, parce que tu étais dans l'armée et tu as frappé ton sergent ou je sais plus quoi parce qu'il te demandait de faire un truc que t'aimais pas. Ah putain, attends, je commence ça. Moi, j'étais là pour un braquage. On s'est rencontrés à un moment dans les douches. C'était le Kosovo? Oui, c'est ça. Toi, c'était au Kosovo que ça t'est arrivé. Ok, ok. T'as été ramené à la maison, à la casa. Et voilà. Et dans les douches, il y a le grand Donovan, là, il est arrivé un moment, au premier jour où je me douchais, il a fait tomber la savonnette. Alors moi, j'ai ramassé la savonnette. Toi, il faut pas la ramasser, la savonnette, c'est un piège, ça. Bah oui, c'est ce que t'as dit. On était tous tout nus, même toi, t'étais tout nu. T'étais clairement celui qui avait la plus grosse. Et t'es arrivé, t'as fait... Attends, t'es en train de me dire que tu m'as déjà vu tout nu, du coup. Ouais, plus d'une fois. Est-ce qu'on est... Non.
Ok, ok. On n'est pas plus que des amis. Oui, parce que le petit docteur tout à l'heure, elle m'a fait un peu effet, mais tranquille. On sait jamais, je te demande. Ok, je reviens juste, je vais mettre ma tête dans les chiottes et appuyer sur la chasse d'eau pendant 10 minutes. T'inquiète, ça va aller. Hein. Ah, merde. Dégueulasse. Ça va pas la tête? Tu fais quoi ça. Là non, je peux pas faire ça, je peux pas. Je voulais me suicider, j'en ai marre. Je peux pas faire comme ça. Mais pourquoi tu veux faire ça? Je sais pas, je vais boire une bière. Je vais dormir. Ok. Bon bref. Si t'es mis entre les deux, t'as fait... Comme un arrosoir automatique, t'as dit stupido. Donde ramassar la savonetta. Stupido? Donde ra... Mais pourquoi? Mais je parle pas espagnol. Oui, bah en italien, j'ai pas le Google Translate. Monsieur Carmel. Ah, il faut que t'ailles répondre à l'interrogatoire. Dis que t'es un verre, t'as braqué une vanque en jaune parce que eux ils se déguisent en verre et t'en as marre. C'est ce qu'on a dit. Monsieur Carmel. Ok, ok. Vous venez par ici. Vous, oui, vous, vous allez mieux? Bah écoutez, ça va, ça va. Allez, par ici. Plutôt capitaine, il peut pas revenir avant 20h? Oui, oui, j'ai compris. C'est pour ça que vous êtes mis en cellule. Je vous laisse un beeper, vous pouvez envoyer. Monsieur Carmel voilà. Oui, oui. Et que le beeper, utilise que le beeper. D'accord. Merci, Fanny. On va aller dans la salle du fond. Non, pas ici, c'est pas ici. C'est pas là, on va aller dans la salle du fond. Au fond, s'il vous plaît. Et parlez le moins fort possible. Alors, je vais avoir besoin que vous me disiez toute la vérité, d'accord? De toute façon, vos collègues ont déjà tout dit, donc vous êtes le dernier. Quel est votre nom, monsieur? Alors, du coup... Votre vrai nom. Alors, il semblerait que ça soit Marcel. Mmh. Que j'étais... Au complet, hein, s'il vous plaît. Marcel? Marcello. Marcello Caramel? Marcello Caramel, vous êtes sûr? Je sais pas. Vaut mieux pas nous mentir, hein, évidemment. Mais de toute façon, il m'appelle Marcel, Luigi et Caramel, donc je pense Luigi, qu'il y a... D'accord, Luigi, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Donc, qu'est-ce que vous savez pourquoi on vous a amené ici? Pas vraiment. Mais bon, je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Il semblerait que je suis vert, qu'on a fait un braquage habillé en jaune, et qu'on s'est fait arrêter. Donc, en effet, un braquage. Tout à fait. Eh bien, écoutez, alors pourquoi vous étiez habillé en jaune? Je pose la même question. Eh ben je crois c'est parce que les jaunes faisaient pareil. Je crois que les jaunes s'habillaient en vert. Oui. Je crois que les jaunes s'habillaient en vert et faisaient des conneries. Du coup, donc vous avez fait la même chose. On a fait la même chose. Est-ce que vous croyez que c'est la meilleure solution? Vous auriez pas pu peut-être nous dire directement on a un souci, ils sont en train de nous faire passer pour des criminels. Écoutez, je sais pas, les deux dans la cellule. Ils disent qu'on a fait ça, je vous dis ça. C'est la vérité. Allez, on y va, monsieur. C'est parfait. On a tout ce qu'il faut. C'est ce qui va se passer là. On va essayer de fermer ça. On va vous mettre tous des amendes en cellule et vous allez tous vous casser d'ici. C'est bon pour toi? Ce serait pas les backseaters, ça? Oui, c'est... désolé, pas dedans. Parce que nous, on est des flics et pas des médecins. Oula, mais qu'est-ce qui s'énerve? Oui, il est un petit peu tendu ce soir. Oui. Allez, reprends en cellule, monsieur Marcello. Je vais avec eux. Allez. Allez, tout au fond avec votre ami. Et si les médecins nous demandent de l'aide, on les aide. Capitaine, j'ai mal à la gorge. Oh, bah, je renvoie besoin d'un tout bim. Je leur ai dit ce que vous m'avez dit de dire, ok? Ouais, très bien. Quand tu te souviens un peu, regarde la couleur de tes poils. Ok, on vous laisse faire. Ouais, le docteur m'a dit ça. Ah bah, regarde, t'as entendu la voix blasée là? Non. Là, j'ai retrouvé Luigi là. Ouais, il est là, il revient. Bon. Il revient. Alors? Ouais. Mon ami se sent pas bien, il a ouais. Peut-être pris quelques coups sur la tête. Je me suis fait un peu malmené en cellule. Oui, ok. Je vais appeler un médecin ou je vous donne le truc. Pour qu'on essaie de régler tout ça et que ça part pas en guerre de gang ni de police, on va vous amender et vous allez dégager.
Ok. C'est pareil pour les deux autres. On les amende, ils sont en cellule là derrière. Non, là. Ça, c'est pas pour autant que ça changera les relations entre lui et moi, tu vois. Il faut que vous arrangez. Vous avez commencé à. Les mecs, enfin... à partir du moment où le mec me dit t'as pas de parole, tu sais. S'il voulait s'arranger, hier, quand il a entendu l'histoire de Vagos Vagos, au lieu de se venger de faire la même chose, il appelait en fait. Ah ouais. Mais là, c'est quoi là, et là c'est là où vous faites l'escalade de la violence en fait. Bah non, mais c'est lui aussi. Bah non, mec, c'est lui qui lance le truc, mec. Ah non, en fait, c'est vous qui avez lancé. Vous êtes sérieux ou quoi? Oui, mais nous, on a commencé. Après, il avait qu'à nous appeler. Ah ouais. C'est des gamins. Que... Mais non, il préfère se ramener sur un truc qui est déjà en cours avec vous. Mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il va prendre une grosse amende salée. Oui, on est d'accord. Et le problème, c'est que vous avez commencé, ils ont rétorqué, vous recontinuez, bah à la fin, oui, c'est escalade à la violence. Ouais, non, mais à part chouiner, il fait pas grand chose alors. Vous en êtes où, les médecins, pour Strawberry? Ok, parfait, merci. Bon, bah, vous... on va vous amender et vous allez dégager. Ok. Et vous vous calmez, vous respirez et vous parlez, au lieu de partir. Calme. Oui. Ah bah ouais, mais moi j'ai jamais tiré dessus, j'ai ouvert le feu parce qu'ils ont tiré dessus. Hein. Oui, ouais. Non mais ça oui, juste une flic à eux. Et ils auraient pas tiré, j'aurais pas tiré. Hein. Merci monsieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, tu as payé ton amende et puis on dégage vite fait, bien fait. Oui. Ça. Allez-y, sortez. Quels sont les faits qui me sont reprochés? Une braquage de, de banque flicard. C'est pas moi, c'est les vagos. Sortez de là. Ça va, tranquille, on peut rigoler. Allez, officier, je vais te les sortir. Bien. Allez, vous changez. Ouais. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, par ici, je vous tiens la porte. Allez-y, 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 après vous, après moi. Hey, moi, je récupère mes balles de baseball et tout, ou pas du tout? Il te les a pris, mec? Bah ouais, j'ai plus rien. Bah, mais il me les a pas pris. Ah ouais, merde, c'est vrai qu'on est... Ouais. Tu veux sortir torse nu, moi je pense. Et en vrai, oh, pas 10. Pas mal la tenue, ouais. Non? Votre numéro? Non, la tenue, pas mal. Ah oui, elle est très très belle, j'adore. Merci. Bah, du je m'appelle Lenny, je suis jamais content et je chiale tous les soirs. Vous êtes belle. Allez, vagos, vagos. Venez avec moi, les vagos. Despuésito. C'est à ce moment-là qu'il dit t'es tout, c'est ça? Allez-y, venez. On va pas là-bas. Oui, on va pas là-bas. Eh, hey, t'es de retour, Luigi, putain! Comment ça va les petits retours là? Eh ouais, ça revient. Hein. Il nous faudra un taxi par contre, parce que si on traverse la ville comme ça, on va encore se faire tuer. Vu ta couleur, ça va être toi le taxi, on va te monter dedans. Lili, ah, c'est ça? Et faites attention, ouais, à vous. Hein. Oui, je signe le petit registre, n'appuyez pas sur la sonnette. Oui, n'appuyez surtout pas sur la sonnette. Bonjour monsieur. Ils pour sont... une vente de véhicules, s'il vous plaît. Monsieur, c'est pour une vente de véhicules, s'il vous plaît. Allez-y, je vous laisse y aller, messieurs, passez le bonne soirée. Bonne soirée. Une vente de véhicules. Voilà, c'est une vente de véhicules. Une vente de véhicules, on fait pas de vente de véhicules de merde. Ok. On peut pas appeler un taxi? Non, d'ailleurs, on peut récupérer le deuxième camion de pompiers que vous aviez? Ah, on en avait qu'un, mon pote. Oui, vous en avez volé deux hier, on le sait très bien. Non, non, c'est vrai, mais non, mec, on en a qu'un. Non, l'autre, c'est une ambulance. Merde. Attends, mais on vole combien de trucs? Beaucoup trop. Ouais, bah, pour ce qu'on en fait, putain. Je crois qu'ils ont laissé une caisse à l'arrière du commissariat ouvert. Arrête. Là, c'est bon, il y a des flics partout ici, mec. C'est énorme. Par contre, une bécane. Mais du coup. Ouais, mec. Lui, c'est Lily. Ok. Ouais. Et toi, c'est quoi? C'est Itezu? Non, c'est MT, mec. MT, ok. Ah, il était tout, c'est toi. Salut. Comment ça, c'est moi, Itezu? Ah, y'a pas 4 places. Je l'aime pas trop, Loujou. Salut, tu l'aimes pas, mec? Ah ouais, putain, sacré pensée. Bon,
Ah bah nickel. Bonsoir, comment allez-vous mon enfant? Dites-moi tout. Ah mon père, vous pouvez vous déposer s'il vous plaît? Bah écoutez, je vais chercher des médicaments et après je retourne à l'hôpital, mais si vous voulez je peux vous amener à l'hôpital. Non c'est pas notre route. Merci quand même. Ouais, pas de... Où est-ce que vous vouliez aller mes enfants? Par là-bas. Est-ce qu'il y a une destination en particulier? Non, c'est pas très loin quoi, mais c'est juste... Bah écoutez, je prends les médicaments et je peux vous déposer si vous le souhaitez. C'est toujours ok pour aider des enfants de la communauté. Bah écoutez, je prends les médicaments et je suis à vous. Ok, t'es ouvert. Pas pour voir. Ça nous arrive souvent, ça? Toujours. Ouais. Vas-y, monte devant. De quoi monter en voiture avec un prêtre? Est-ce que vous appréciez ma papa mobile? Elle est très belle. Elle est belle, hein? Eh ben, je suis très content que vous l'appréciez. Faudrait que tu nous déposes ici, mec. Ok, bah écoutez, je vous dépose tout de suite, mes enfants. Super. Putain, il m'a pris mon GPS le con. Ah ouais, j'ai cru aussi mais non. Ah ouais mais non, ok ouais. Et putain, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites tardivement dans la ville mes enfants? Et ben on était en train de se dire que heureusement qu'on n'a pas 8 ans. Parce que sinon on serait peut-être pas monté dans cette voiture. Mais le temps de quoi? Non, 8 ans, 8 ans. Ah, l'âge. Je comprends. Non mais écoutez, moi personnellement, je suis toujours disposé à aider les personnes de la communauté qui sont de temps en temps un petit peu en galère comme on dit. Ouais, bon laisse-nous là, c'est bien. Très bien. Tenez. Nickel, super. Mec. Avec merci grand plaisir. Mon père. Passez une bonne fin de soirée, mes enfants. Ah, toi aussi. Attends. Oui, merci. Salut. Au revoir. Voilà, je crois qu'il allait passer chez nous, lui. C'est chez nous, ici? Putain, on a plus de téléphone, on a plus rien, sérieux, ils cassent les... Ah ouais, ils ont rien rendu, putain, ils abusent. Ah ouais... Non, MT par contre, non, s'il te plaît. Non, MT, non. Non. T'es sérieux? MT, je vais te frapper. À quoi, mec, ça pose problème? MT, je vais te frapper. On n'est pas dans un clip de... Ça va pas, le sac est trop lourd, tu veux que je le porte? Non, ça va... Bah non, y'a plus rien dedans. Et par contre, en vrai, moi ça me fait chier parce que j'adore cette tenue. Hein. Blowjob Smith? C'est qui Smith? C'est encore loin? Non, on est à côté, t'inquiète. Ah mais PJ Smith, mais oui. Sandra Smith. Du coup j'avais cru entendre une grosse bite. Ah non voilà mec, j'ai jamais ça, c'est pas vrai. Mais du coup MT le mec là, ouais. Le roux là, du coup Lily c'est ça? Ouais c'est Lily ouais. Il a c'est des bon. Problèmes, on est d'accord. Oui. Ok. Ouais il a des problèmes. Je sais pas, on dirait qu'il est vraiment stupide. Personne veut une bière? Ah non c'est grave. Okay. Ah sacrée journée hein. Ah ouais super. C'est productif. Ah bah là de ouf hein. Là, on a recruté plein de monde, on a fait plein de thunes et... Et on a déclenché une guerre mon pote. Ah j'avoue. Comment ça une guerre? Alors... Tu vois la couleur dont on est habillé? Bah y'a des salopes dans cette ville qui s'habillent pareil. Bon jaune. Et nous, notre couleur, c'est le vert. Mais comme okay. Ils font des trucs en vert, ils sont passés pour nous, on s'est dit qu'on allait faire un truc fun. Visiblement, ils rigolent pas, ces connards. Donc, bah. Oh putain, le chien du Sécar, il aboie fort, hein. Ouais, de ouf. Commander des armes encore. Ah ouais, mais ça passe. What the hell are you doing on Sandy Shores?
Oui, bah on est en jaune, mon pote, c'est bon, on va te changer. Ah ouais, genre, putain, on a perdu le camion de pompier. Oh, bah ouais. Ah, je vais me changer, j'arrive. Ouais, vas-y, pareil. Vas-y, viens, Ludy. Je vais te montrer où t'habites. Ouais. Non, t'habites pas là. Vas-y, viens. Putain. Non, je suis pas mieux une drague. Luigi ? Viens, tu vas où ? Je vais regarder autour. Ah ouais. Ah, c'est là que t'habites, mon pote. Peut-être que quand tu as retrouvé tes habits, tu as retrouvé la mémoire. Tes habits, mec, dans le vestiaire. C'est bon. Ah ouais, non. Faut que tu prennes l'autre, celle qui est un peu verte, mec. La verte ? Ouais, la verte. Comme ça ? Nickel, mon pote, là je te retrouve là! On va bien voir. Bon, reprends-toi une arme dans la. Là, juste derrière moi, il y a l'armurerie. Les chargeurs avec, c'est bon, je suis pas con. Ah, tranquilo, tranquilo, tu veux dire tranquilo. Bon, du coup c'est les jaunes qu'il faut faire sauter, c'est ça, c'est ça. T'as pas de téléphone sur toi là, je suppose. Enfin, je regarde dans ma poche. Si c'est bon. Ouais, je viens de t'en finir. Eh, tu sais quoi? Mm-hmm. Je crois que je vais faire une petite sieste. Vas-y. Je dirais un petit que je reviens plus tard. Par où? Vas-y, repose-toi bien un peu. Ah, attends, il monte. Non, mec, t'as un téléphone? Ah non, mec. Ah, je voulais voir si t'avais toujours des kits. Non, on en a plus, il faut qu'on en rachète. Un truc, on a là, mec. Bon, ouais, un petit. Ouais, mec. Comme j'ai dit à Lily, je vais faire une petite pause. Ouais. Je vais aller me coucher un petit peu, tu vois. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, mec. Ça va te faire un peu le. Voilà. Tu reviens pour la course ce soir ou pas ? Oui, oui, je reviens plus tard, oui. Il y a une course à 21h15, on y sera, nous. Bah écoute, dès que je finis mes trucs, j'essaie un petit peu de me poser, faire le vide un peu, et puis voilà. Vas-y, repose-toi. D'accord ? Pose-toi bien, Luigi. C'est une journée de merde. Eh bah allez, à tout à l'heure alors. Allez, à tout à l'heure, Luigi. Vas-y, je vais voir. Alors moi, je... pareil. Ok. Donc là, en gros...
C'est pour vous expliquer un truc. Est-ce que déjà ça va? Est-ce que j'ai pu avoir des interactions avec les gens qui ont été cool, hein? En fait, je me suis dit qu'on aurait pu faire ça. Oui, je vais faire les lacets après, vous inquiétez pas. Ou la calebasse. Mais ouais, je sers plus que toi en plus. Alors le truc, en gros, c'est que... hein, petite idée avec le coma. Caramel. Très bien, tu es incroyable, c'est gentil. En vrai, ça pue pas plus que ça. Parce qu'en gros, vous voyez, je fais pas genre le méga relou à pas du tout me souvenir, donc ça va revenir très vite. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je pourrais clairement avoir le choix, mais je vais pas les laisser dans la merde parce qu'ils sont que deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu... ça serait con en fait de les laisser dans la merde tous les deux. Parce que là, en gros, ils seraient vraiment dans la merde, je pense. Hein. Et c'était juste pour faire un petit truc un peu en mode pépère. Oli, en fait, c'est ça le truc. En vrai, c'est top cette interaction. Voilà, c'était juste un peu... je vais pas faire le mec en mode... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste, on va se souvenir de ça et peut-être que voilà, le nouveau Luigi va être un peu plus en mode, il se rappelle de certains trucs, donc peut-être que c'est aussi un stop vis-à-vis de mon perso dans le sens trop gentil. Hein, on va essayer, je sais pas, on va voir en fonction d'eux. Voilà, il y a plein de trucs qui font que ça ouvre un truc, je pense, qui aurait pu bien entendu me faire changer de tout au tout. Ok. Mais je trouve que ça peut être pas mal en vrai. C'est pas la mort du perso ou quoi. J'avais juste avec le truc des pompiers, je me suis dit, putain, si je me réveille, je suis amnésique là. Ce serait la folie quand même. Voilà, j'ai pas fait genre en plus de ça en m'enroulant en mode, ah non, je me souviens de rien, mais pourquoi je suis en prison? On va voir un peu. Tout. Ouais, il y a. Bah, si je baisse ma tête et qu'on voit ma calve, il y a un quart. Là, il y a un quart, 98. Et là, il y a un Amy Garand, ouais. Il nous a toué. Vous êtes toué? Non, mais on va résumer ce qui s'est passé. En gros, genre, on a fait un casse bidon. Hein, clairement, bidon avec un camion de pompiers. On s'habille en jaune parce que les jaunes font pareil. En vert. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait pendant le braquage on a mis du temps normal, les jaunes nous ont rattrapés et ils nous ont tués, enfin ils nous ont touchés, tout ça. Moi j'ai pris un gros coup à la tête, donc je suis devenu amnésique, donc je me souvenais pas trop de ce qui se passait, et voilà, il y a eu ce petit jeu un peu comme ça. Donc à ce que j'ai compris, ça va peut-être partir en guerre et ce genre de truc. Donc, là, j'aurais pu faire soit je me range et je suis tranquille. Donc, il y a toujours cette possibilité de... je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai quand même suivi. Soit, en gros... Enfin, je pourrais tellement... Enfin, au niveau de cette amnésie, ça serait la folie. Après, le truc, c'est que... il faut pas que ça soit genre aussi une dinguerie, hein, parce qu'une amnésie totale, enfin je pense que même avec un nouveau, enfin genre c'est terrible en vrai. Donc on va y aller genre tranquille. On peut y aller dans la citerne d'un camion plus les balles de l'accident, normal que tu oublies tout. Non mais c'est vrai en vrai. Gare pour RP, il n'y a rien de bon, ça va saouler tout le monde et juste finir en gunfight. Oui, je pense que c'est ça le truc. Troisième guerre mondiale ce soir, mais non. Mais non, tranquille. Donc voilà. Non, mais en vrai, je pense qu'on va. En fait, le truc, c'est que. En fait, c'est pour vous montrer aussi que les verres sont pas beaucoup. Je pourrais partir là, par exemple. Et en fait, c'est trop chiant. Ils peuvent pas tout faire à deux. Et ce genre de truc, parce que c'est quand même assez pesant. En quelque sorte, on est trois. Vous avez vu, on n'a pas eu de message. Le seul message que là, j'ai reçu, ça devait être Lily. Donc ça reste quand même difficile d'être lieutenant d'un gang qui est du coup complètement mis de côté, alors que je pense qu'à nous trois on a le potentiel de faire pas mal de choses en vrai, et qu'on se fend la poire en quelque sorte, ok, mais Astrolino, c'est ce qu'on essaie de faire en fait, mais les gens ont pas envie de faire partie d'un gang en fait, les gens
font des trucs entre eux et ne rejoignent pas un gang en fait. C'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. En fait, les vagos sont populaires en général parce que plein de trucs. Il y avait des lèches, mais bon, quelqu'un a commandé ses sont morts, il a fini à la flotte. Un vrai gros motivé Kenny. Non, mais il y a plein de trucs qui font que. Je start le RP il y a des années, comme ça, j'ai kiffé. Moi, ça me lésie, t'oublies ton accent italien ou tu prends un accent allemand, Jus. Non. Quand même. Oui, mais c'est ça le truc. En fait quel ravac, c'est aussi ça, en fait. Le truc, c'est que moi, par exemple, mon personnage, quand on n'était pas dans le gang, c'est OK. J'étais un électron, j'allais avec les jaunes, j'allais avec les verts, j'allais avec les jaunes, j'allais avec les verts. Et du coup, en fait, il y a le truc. En fait, à un moment donné, il faut plus que tu fasses des transactions avec les uns et avec les autres. Mais les gens, quand ils font des casses, et il y en a beaucoup qui font des casses, quand ils remettent les mallettes, ils vont souvent chez les jaunes. Ils viennent pas souvent chez les verts. Là, Alpha, il vient chez les verts. Par exemple, il va faire un truc chez les verts. Donc là, on va avoir un peu plus d'infos ce soir, mais c'est comme ça. Donc là, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Mon personnage va juste, entre guillemets, probablement revenir à lui-même. Parce que déjà, c'était juste un petit moment, que le RP d'une amnésie, ça reste quand même de quelque chose de, qui est assez fort en général. Donc je ne vais pas pouvoir garder ce rythme-là. Je sais pas, donc voilà, soit enfin, je pourrais tuer mon perso, je pourrais faire plein de trucs avec mon perso, mais voilà, je veux pas, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, non, mais je pense, voilà, je pense que les scènes ont été cool, ce qui s'est déroulé par la suite. J'avais un peu envie de les pousser dans ce retranchement d'amnésique sans pour le moins être relou. Et je pense que c'est ok, je pense pas que j'ai été méga relou en étant amnésique. Hein, j'ai pas trop fait traîner les choses. J'ai eu un petit peu cette peur quand ils disaient oh non, j'étais en mode putain, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait un truc qui est pas bien. J'étais un peu sur ça, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était super logique, sachant que dans le RP, Sirius, ça passe comme ça. Ok. Attends, GG a peut-être perdu Bernard et Lune 15 pas encore fait à 100%. En tant que simple spectateur, c'était top. Ok, bon, ben ça va, en gros. J'ai pas été trop relou et du coup, c'était cool. C'était un petit move. Je voulais faire ce petit move histoire de voir un petit peu la réaction des autres, mais tant que c'est ok. Tu connais la blague du lion avec un nez bleu ? Non ? Leur Eptamnésie, c'est ultra relou pour Skok et Xerac. Je vous rappelle qu'ils sont full à me dire des conneries tous les jours. C'était aussi pour ça que je voulais les faire chier. Et en fait, c'était aussi pour leur faire peur. En mode, ok. Hein ? C'était aussi pour ça. En fait, quand on s'est fait renverser par les pompiers, j'étais full vénère. Mais ça, pour autre chose, complètement autre chose. Et ça me casse les pieds. Mais ça, c'est complètement autre chose. Et ça me casse les pieds. Et du coup, j'arrive et genre d'un coup, je me dis... Dans ma tête, je me dis, putain, et si j'oubliais ce qui s'était passé, que je me refocus sur ce que je suis en train de faire là au niveau du RP. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire ça. Donc voilà, je me suis dit, bah, vu qu'ils ont mis en plus, ils ont galéré à me relever, j'ai tapé la tête et puis c'est terminé, quoi. Je me souviens plus de rien, en fait. Et au pire, ça sera le dernier live. Hein, j'ai fait quoi ? Une hémorragie interne à la tête, le docteur, il a pas vu ça, il a mal ausculté et mon personnage est mort, et puis tant pis. Et d'accord ? Le coup de l'homme sur Félix, le coup de l'amnésie est devenu un peu cliché, car trop utilisé, tu ne pouvais pas savoir si tu as bien amené NP. Ok, bah ça va. Non mais voilà. C'était pas... En fait, je voulais pas faire une amnésie méga reloute, en fait. Hein. Caramel. Voilà, je les ai un peu fait chier aussi avec ça. Mais voilà, en fait, vu qu'à un certain moment... Enfin, depuis hier, ils me cassent les couilles, ok, hein, MT et Lily, j'avais envie de jouer aussi un peu avec eux, là. Donc, si ça leur a cassé les couilles, tant mieux pour moi. C'est tout ce que je voulais, en fait. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai trop abusé le coup des jaunes à faire les flics pendant votre braquage. Vous les laissez tranquilles pendant leur coup. Moi, j'ai trop abusé le coup des jaunes à faire les flics. Pendant votre braquage, les laisser tranquilles pendant leur coup. Ouais, mais je sais pas. Je pense que c'est parce que... Enfin, voilà. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont. Tranquille. Mais moi, maintenant, dès que je vais voir un jaune, je vais tirer.
Bagos, bagos au cimetero, hein, comme ils disent. C'est sûr, je pense que la clé, c'est de recruter des soldats et des sympathisants avec les gangs prennent. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on fait ça, mais les gens sont en mode, ils font leur truc, en fait. En fait, ils ont pas compris qu'on est... Enfin, ils peuvent nous voir quand ils veulent. Ils sont pas obligés de rentrer dans le gang et s'affirmer dans le gang. En fait, il y a plein de trucs comme ça. On verra bien. Ils titent tout. C'est parce que vous faites passer pour eux. Non, non, Max. Enfin, Max, est-ce que t'es là depuis le début, en fait? En gros, moi et Lily, on était chez les jaunes au tout début. Il n'y avait pas grand monde. On a ramené énormément chez les jaunes pour qu'ils prennent contact. En fait, les gens ont juste pas changé. Et puis, en fait, le truc, c'est que les gens font des groupes entre eux, font des braquages, et après, ils viennent voir. En fait, c'est juste qu'ils font des gangs dans des... Enfin, ils font d'autres trucs à part. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, ils se font des soirées entre eux, ils font des braquages, et une fois qu'ils ont les mallettes, ils vont voir les jaunes, par exemple, vous voyez? Par exemple. Ouais, mais du coup, c'est le même problème chez les Vagos. Oui, c'est juste que les Vagos sont plus que 3, en gros. MT tire déjà sur tout ce qui bouge. Oui, mais après, ça, c'est normal, il est chef. Donc ce serveur fun peut être que les verts soient plus attirants pour les gens. Oui, oui, mais nous, on vient, c'est le deuxième jour. Hein. C'est le deuxième jour, hein, donc voilà. Écoutez, moi, je pense que je vais vous laisser là parce que je vais faire une petite pause. Je vais juste aller faire mes lacets. Je vais faire une petite pause parce que ce soir, du coup, on reprendra le live tranquillement. On va parler d'un truc super important par rapport à la fondation 30 millions d'amis où, voilà, vous avez vu Twitter. C'est la petite news d'aujourd'hui. On est ambassadeur avec certains copains streamers. Et du coup, on va en parler ce soir, tout simplement, avec les copains. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir, ok? Et puis, je sais pas si on fera un live ce soir. Voilà. Je serai peut-être en train de jouer. On verra en fonction d'eux, en mode chillax ou quoi, histoire de faire le vide un petit peu et de jouer, même par rapport aux animations, voir un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que les menus me rendent fou, en vrai. Donc de toute façon, je vous tiens au courant. Passez une excellente soirée si on se revoit pas. Et si jamais vous voulez prendre l'info ce soir, ça ne dure pas longtemps. On va faire un petit topo vis-à-vis des 30 millions d'amis et bien entendu présenter les streamers qui sont sur le Twitter pour qu'ils disent un petit peu ce qu'ils en pensent eux de leur côté. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez kiffé l'après-midi. Et puis on se rejoint très prochainement. Mais vous inquiétez pas, mon perso, il meurt pas. Je laisserai pas mourir mon perso de toute façon. Et puis voilà. C'est tout. Des gros bisous et peut-être à tout à l'heure, les amis. Ciao. Et merci encore. Hein. Merci aux gens qui se sont sub et resub aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pas trop regardé, je dois vous avouer. Merci aussi aux nouveaux followers de la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Et j'essaierai d'être un peu plus attentif dans la soirée ou demain, de toute façon, à partir de n'importe quelle heure pour du GTRP. Gros bisous et à plus tard peut-être. On se voit pour 30 millions de...